Bonjour à toutes. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Pile au moment de prendre le bain, votre enfant ne veut pas venir. Alors vous lui dites, si tu viens prendre ton bain, tu auras le droit de prendre un bonbon. Tu auras le droit de voir un épisode de ton émission préférée. Rien à faire. Votre enfant ne vient pas. Alors arrive le temps des menaces. Si tu ne viens pas, tu auras une punition. Et là, c'est pareil. L'enfant ne vient toujours pas. Et au final, un moment qui aurait pu être agréable, détente, tranquille, devient un moment d'exaspération, de frustration, de cris, de pleurs. Pourquoi? Pourquoi notre enfant n'a tout simplement pas pris son bonbon? Ou n'a pas tout simplement voulu voir son émission préférée? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre enfant, dans ce moment-là? Et c'est ce que nous allons étudier dans ces ateliers que je crée avec la méthode Schaeffer, qui est une méthode révolutionnaire israélienne. Je me présente. Je suis Noémie Ramadi. J'habite en Israël depuis 14 ans. Je suis dans le domaine de l'enseignement depuis de nombreuses années et je suis conseillère de parents depuis bientôt 6 ans. J'ai moi-même participé à un atelier pour parents avec la méthode Schaeffer et cet atelier m'a changé la vie. Tout simplement, changé ma vie dans le domaine de l'éducation avec mes enfants, dans le relationnel avec mon mari, dans ma vie en général, avec d'autres personnes. J'ai décidé de faire passer ce message moi aussi. Et donc j'ai étudié pendant 3 ans cette méthode. Et aujourd'hui, grâce au Covid, je peux, d'Israël, faire participer les mamans françaises. Dans cet atelier, nous étudierons justement cette dynamique qui se passe inconsciente entre l'enfant et le parent. On comprendra pourquoi l'enfant ne vient tout simplement pas prendre sa douche. Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Nous allons apprendre comment reprendre confiance dans notre autorité parentale, comment reprendre confiance en nos enfants, déléguer plus de responsabilités, gérer les disputes entre frères et sœurs, gérer les relations avec le père, avec les grands-parents, avec les professeurs. C'est un atelier qui n'a pas d'âge. C'est pour tous les enfants, pour tous les parents. Nous commençons un atelier Bezrat Hashem tout de suite après Pessah. Pour plus de renseignements, pour vous inscrire, vous pouvez tout simplement me contacter au numéro qui est écrit sur le flyer qui a été communiqué avec cette vidéo. À très bientôt. Je vous souhaite à toutes de très bonnes fêtes de Pessah. Dans la joie et la santé.